Je m'appelle Robin Gachet et je suis animateur au Franca depuis 2014 maintenant. J'ai passé mon BAFA avec eux et tout ce qui s'ensuit. Mon stage pratique avec une structure adhérente des Franca. Et du coup, je suis animateur que l'été par contre au Franca depuis donc 6 ans. Je suis animateur ce qu'on appelle l'animation itinérante, c'est-à-dire que je me déplace dans les centres de loisirs sur des thématiques particulières et je propose du coup des animations sur ces thématiques au centre de loisirs. Et puis après, sinon l'été, depuis 4 ans maintenant, on a ce qu'on appelle les courses de baignoire. Donc ici à Noyon-la-Gravoyère, on propose aux jeunes de construire des baignoires flottantes et de faire ensuite des courses et des courses d'orientation, des choses comme ça sur l'eau. Cette année, ça a un petit peu changé. On a décidé de faire plusieurs formats de 3 jours. Donc ils arrivent le mercredi, ils repartent le vendredi, ou ils arrivent le lundi, ils repartent le mercredi. Le but, c'est d'avoir des défis qui permettent ensuite de construire les baignoires. Donc plein de défis comme on a pu faire dans la matinée, c'est-à-dire des défis et dans l'eau et sur l'eau et autour en tout cas du thème aquatique. Et le but, c'est d'avoir donc des baignoires flottantes à la fin, de faire des courses d'orientation à nouveau. L'été, on prépare toutes les malles pédagogiques qui vont servir durant tout le reste de l'année. On a l'installation aussi des bases de loisirs. Installation des installations qui prend pas mal de temps. Souvent c'est sur une journée à Saumur installation, une journée des installs et pareil à Noyon. Noyon qui accueille aussi des stages de base de BAFA. Alors pour le coup, moi ce qui me plaît en tout cas au Franca et dans ce qu'il me propose comme poste l'été, c'est d'être hyper polyvalent et puis pas de faire que du séjour ou que du centre de loisirs. Parce que je bouge dans les centres de loisirs, j'en ai fait un petit peu aussi en tant qu'animateur de centres de loisirs, à Saint-Clément-de-la-Place, qui est le centre des Francas du Maine-et-Loire. Les bases de loisirs, ça me plaît pas mal aussi, c'est quelque chose qui est assez convivial, où on a beaucoup de vivre ensemble, qui est vraiment chouette à mettre en place. Après, il y a aussi le fait d'avoir la chance d'avoir plein de tranches d'âge. C'est-à-dire que là sur le page en ce moment, il y a du 6-9. 6-9 ans, et puis moi là je suis avec de la jeunesse 11-14, il y a 2 semaines j'avais jusqu'à 17 ans, donc c'est vraiment chouette d'avoir plein de tranches d'âge différentes. Et puis le métier d'animateur, c'est hyper enrichissant, on découvre beaucoup de personnes, beaucoup de monde, et ça c'est vraiment cool.